pour une cueillette de girolles, n'est-ce pas? Comment les éplucher? Eh bien, c'est pas difficile. On coupe le bout de la queue, on gratouille un petit peu s'il y a des feuilles, on les met dans un saladier. Ensuite, là, on gratte les feuilles dessus. On enlève s'il y a des petits bouts qui sont mauvais, mais enfin, voilà. On remplira le saladier d'eau. On mettra du vinaigre blanc. C'est plus pour nettoyer s'il y a des petits verres ou voilà, une portion. Hein. On laissera tremper 5 bonnes minutes. Et puis après, on les égouttera. On les tamponnera avec un torchon et on pourra les faire cuire. Voilà, alors nos champignons ont trempé depuis 5 minutes. On va les prendre un par un, simplement pour les passer voilà, à l'eau, enlever le goût du vinaigre blanc et enlever les petites impuretés qui restent au passage. On va les mettre dans la passoire. Une fois qu'ils sont passés, vous les mettez dans un torchon. Vous refermez le torchon, ça va pomper l'eau. Et vous les laissez 10 minutes, un quart d'heure comme ça, que l'eau s'en aille, soit pompée dans le torchon. Et ensuite, eh bien, on les fera cuire.